On souhaite man participant de fois musulman bon Eid Moubarak. Espérer que cette année là mener la prospérité dans ce projet à venir. Et comment à chaque petit dia bon nous dans la continuité je fais un récap qui m'a fait. Je commençais par la germination du projet, tout ce qui est la graine entrepreneur, tout ce qui est l'idée, germination, opportunité, création d'activité. Ensuite, nous avons l'insertion du projet dans l'environnement, analyse de macro-environnement, contexte entrepreneurial. Après, nous avons avec l'adéquation du projet, nous avons tout ce qui est analyse de la concurrence, l'offre et de la demande, et aussi une analyse indienne. La semaine dernière, nous avons la vision stratégique du projet. Et aujourd'hui, nous venons terminer sa première partie là avec l'élaboration du business model. Donc, c'est une étape très, très importante pour la première partie de notre projet qui est terminée aujourd'hui. Après, la deuxième partie, nous allons faire principalement la rédaction du plan d'affaires. OK? Alors, c'est quoi un business model pour commencer? C'est un concept qui décrit comment l'entreprise va gagner de l'argent. Ça veut dire comment nous pouvons faire pour générer profit, générer l'argent. OK? Comment nous présente-t-il? C'est en termes d'un graphe, en termes d'un tableau, côté d'un 9 points là-dedans. OK? C'est plutôt une présentation logique, globale, dans laquelle votre entreprise va exactement créer de la valeur. Comment je vais créer sa valeur là? C'est la valeur là qui permet de gagner l'argent. OK? Principalement, dans ces outils-là, c'est une offre qu'ils ont à faire sur le marché parce que c'est un business model qu'ils ont vendu avant tout. Avant qu'ils ont commencé à vendre leurs produits, ils ont vendu leur business model avec un investisseur, avec un fournisseur, avec un parti pour une ordre de projet-là, premières affaires. C'est qu'ils ont à vendre ça business model-là. Qui sont un process pour créer sa valeur-là? Cela nous trouve là-dedans. Comment nous pouvons commercialiser ça offre-là? Et surtout, comme on pourrait dire, c'est un outil de communication. C'est ça qui nous peut servir pour nous vendre nos projets, nos produits. Alors, il y a un modèle qui peut utiliser. Il y a un modèle qui peut utiliser pour sa élaboration-là. Une minute. Donc, modèle-là, appelle ça Osterwalder-Épineur. C'est-à-dire, lui qui lui propose, une représentation d'un modèle d'affaires. Comme on dit modèle d'affaires, c'est un business model hein, en 9 briques. 9 briques, vous pouvez trouver. Vous pouvez décliner ça, N pour N. Ça, c'est vraiment un outil pour être capable de faire une réflexion évolutive. La différence qu'il y a entre un business model avec un business, avec un business plan. Business model, c'est qu'à rectifier lui, à n'importe qui l'est, les spirales. C'est-à-dire qu'on retourne en arrière si tu trouves quelque chose qui n'est pas marché, qui n'est pas bon, et dans une bonne analyse, on est capable de effacer, rectifier. On dit qu'un business plan, quand on finit rédiger, c'est la Bible, j'ai besoin de suivre à la lettre. OK? C'est aussi un support de brainstorming, ça veut dire brainstorming, nous mettez le fan, on appelle l'os sur la table. Après, là, nous commençons à choisir qui est plus bon, qui est plus adapté pour nous, business. L'objectif vraiment de ça, de ça, modèle de Osterwalder là, c'est montrer le lien qu'il y a entre différents briques. Montrer que, voilà, le projet, le business, il est cohérent. Il est cohérent. Il y a une vision synthétique et stratégique. Et il y a une action qu'il nous besoin de prendre pour mettre ça en œuvre. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment comme si nous business sur un bout de papier à 4. C'est ce qu'il nous fait aujourd'hui là. Et moi, pour inviter aussi, quand la session finit, elle pratique ça à la case, elle fait lire la case aussi. Alors, la première brique qui nous pourrait être, appelle ça le segment de clients. Je vais expliquer la dernière fois que j'explique qui on peut bouger un petit peu l'écran, il peut bouger un petit peu.
Voilà. Désolé pour ça. Donc, segment de clients. Je vais t'expliquer ça, comment tu fais l'adéquation du projet. C'est comment nous pouvons identifier. Quand nous bien fini faire ça, l'adéquation du projet, nous bien identifier vraiment qui segment de la clientèle qui nous peut toucher, nous écrire lui dans ce petit carré qu'appelle segment de clients là. Ce profil, est-ce qu'il nous peut toucher un jeune professionnel de 20 à 35 à 40 ans? Est-ce qu'il nous peut toucher là toute la population? Est-ce qu'il nous peut toucher que les hommes? Est-ce qu'il nous peut toucher que les femmes? Est-ce que c'est que les couples, que les enfants? Voilà, nous avons fini de définir tout cela avant de faire un business model. OK? Nous avons qu'on a besoin dans le segment de la clientèle, nous avons qu'on a besoin. Est-ce que cette clientèle-là, qui l'est érodée vraiment? Qui l'est manqué et qui nous produit ou bien nous projet capable ou bien nous service capable d'amener pour résoudre ou bien pour satisfaire sa besoin de la clientèle-là? Nous avons une clientèle homogène. Homogène, ça veut dire qu'il est dans la continuité, qu'il nous trouve, qu'il voilà, n'est pas un zoom pour enfants, un zoom pour grand monde, un zoom pour madame, ou bien moi, non. Nous avons bien défini, bien homogène. Acheter là, je vous rappelle comment tu fais, je vais la remorque qui dans mon projet, moi, je trouve la différence. Que voilà l'acheteur et le consommateur. Ça, bien un point bien, bien important. C'est qui l'acheteur? C'est qui le consommateur? Le consommateur, il peut être capable et masculin, mais l'acheteur féminin ou vice-versa. OK? Et pas nécessairement celui qui peut acheter, qui peut consommer. Donc, nous avons deux types de marketing, deux types d'analyse qui nous besoin faire. Vous connaissez vraiment, c'est qui? Moi, pour différencier, c'est qui l'acheteur et c'est qui le consommateur. Ce segment de clients-là, c'est vraiment la raison d'être et le cœur de votre projet. Si vous avez ce client-là, je ne suis pas capable de vendre votre produit, bien sûr. Je ne suis pas capable de vendre votre service. Donc, bien, 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 prends le temps d'identifier vraiment c'est qui la clientèle visée. OK? Ça, c'est très, 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 très important. Ensuite, il y a un deuxième canal, un deuxième brique qui est assez important aussi, on appelle ça le canal de distribution. Alors, qui est le moyen qui nous met en œuvre pour écouler le produit? Okay? Qui s'en a qui pour distribuer ce produit-là? Est-ce que c'est nous parler de plutôt B2B? Est-ce qu'il nous parle plus de B2C? Est-ce que c'est un magasin spécialisé? Est-ce que c'est un grossiste qui pouvait ensuite avancer avec un distributeur, un retailer, et ensuite retailer, là, il peut vendre avec le consommateur. Tout ça, nous avons fini, bien défini. Est-ce qu'il nous vendre online? Est-ce qu'il nous vendre la technologie? Nous prenons ce petit côté technologie-là, donc comment il vient online et la livraison, il est assuré pour nous, ou bien prenons une agence de logistique qui assure la livraison. Est-ce que c'est nous avons un collabo avec une agence logistique, je ne sais pas, DHL, UPS, Belogique, La Poste, entre guillemets, hein, ou nous parlons nous créons notre propre canaux de distribution. Et qui privilège je vous donner dans tout ça là? Si nous avons fait cela, mais qui est l'étape premièrement? Est-ce que oui, nous pouvons commencer avec un man grossiste avant tout? Et la grossiste, elle est pour délivrer sa nourriture là, ou bien nous-mêmes nous parlons de nourriture là, ou bien nous-mêmes, il y a trois segments ou quatre segments, nous avons fini d'identifier, nous avons besoin de connaître qui nous avons priorité. 60%. Et aussi, nous-mêmes, nous pouvons vendre ça, nous avons clients, ça 40% qui reste là, 10% là-dedans, nous parlons de man grossiste, 10% nous parlons de man retailer là, et l'autre 20% là, on s'en est venu sur place que nous-mêmes. C'est à eux de décider. Et quand j'ai fini de trouver ça, il est là, je suis capable de faire ce business model. Et là, l'autre brique dans le business model qui j'ai besoin de causer, c'est la relation avec les clients.
Alors, c'est un moyen que je peux déployer pour approcher votre clientèle. Comment je peux fidéliser sa clientèle-là? Comment je peux augmenter sa fréquence d'achat-là? Il y a plusieurs façons de le faire. Et premièrement, je veux connaître comment je peux communiquer avec mon client potentiel. Si mon client visé, la plupart, c'est un petit monde qui est connecté via social media, via des réseaux sociaux, automatiquement, et principalement, réseaux sociaux pour venir un outil important de marketing dans mon projet. Donc, on a besoin d'élaborer ça, on a besoin de souligner ça dans mon business model. OK? Est-ce que Internet est suffisant ou bien réseaux sociaux est suffisant ou bien on a besoin de mettre un support catalogue, un support audio là-dedans, c'est-à-dire parce que radio, bien un support visuel avec mon billboard. Donc, c'est à eux de décider. OK? Si je peux viser une personne âgée et je pense que newspaper, la gazette, c'est pas trop dans le mœurs de une personne âgée comparé à un jeune de 30 ans ou pas quoi, il y a ces journaux tous les jours parce qu'il y a toute une information nécessaire. Nos réseaux sociaux, nos portables, ils même que l'information, ils ont tout live à la seconde, en one click, ils ont tout là. Donc, c'est une étude qui nous fait, nous sommes capables de déterminer nos relations qui nous prennent avec nos clients. Comment nous pouvons communiquer ça, comment nous pouvons causer le client, comment nous pouvons répondre à cette question-là. Souvent, des fois, il y a pas tout ça, une erreur, mais bon, un petit défaut qui me trouvait. C'est nous trouver un défaut en tant qu'un client. Quand un Jimoni poste un bouton, le Facebook, il permet de surprendre, il incite nous pour rentrer dans ce chat pour dire à quel prix. Moi, nous dire à quel prix, nous finis trouver qu'il y a un Jimoni qui est intéressé avec ça. Donc, il peut build sur relation. Pour le client, parfois, il y a un meilleur parce qu'il n'a pas gagné l'information qu'il a besoin. Mais, pour du côté business, ça dit monde qui met ça le tout là et pas mettre ça prix là, il peut build un réseau, il peut créer une relation avec le client parce que le client peut demander ça, combien ça quand il vous répond le client en privé, inbox, il peut mettre ça dans ce chat inbox, il peut créer une relation là. Il peut marmiter, ça veut dire qu'il est capable de même réavoir sa client là des trois les autres affaires parce qu'il finit gagner sur database, il finit gagner sur l'adresse, il finit sur contact. Donc, c'est pas une négligence qui parfois n'a pas mis ça prix là. C'est fait exprès pour build une relation avec le client. OK? Est-ce que relation là, elle est pour personnaliser ou bien automatiser? Personnaliser, ça veut dire moi ou bien un moment collègue qui peut téléphoner, qui peut répondre personnellement. Ou sinon, c'est une réponse que tout le monde gagne dans la plupart des sites Internet qui nous allaient. Quand il écrit un fax, là, on va dire Frequent Ask Questions. Quand il finit, mettez une réponse automatique. Donc, ça, c'est automatisé. Nos relations qui nous prennent peut-être au commencement, il est important que nous ayons une relation personnalisée. Ça, c'est là que nous conseillons. Nous pouvons arriver à ce niveau-là. Tout start-up qui peut commencer, il y a besoin d'une relation personnalisée avec nos clients avant. On est au Kisana, nous payons vendre nos produits parce que c'est nos clients qui pour nous vendre ambassadeurs de demain. C'est eux qui peuvent faire nous marketing. Okay? C'est le meilleur agent de marketing qui nous peut faire, c'est un client satisfait. Bien sûr. Est-ce que nous mettons en place un système après-vente? Donc, il y en a beaucoup qui n'est pas capable de faire ça. Si nous pouvons faire ça, nous devons souligner parce que c'est une valeur ajoutée qui nous peut donner nos clients. Nos clients besoin connaître s'ils achètent ça pour du temps, ils ont fait défectuer. Mais voilà, après 24 heures, 48 heures ou une semaine, ils ont le droit de retourner le produit et nous pourrons s'en aussi. Si nous trouvons que vraiment, c'est ça produit défectueux, là, nous ne posons pas contre nous-mêmes. L'erreur est devenue contre nous-mêmes. Donc, ça, là, nous devons être capables d'établir et mettre en place avec le client dans business model et nous sommes capables de vendre ça quand nous pouvons vendre ça business model là avec un ticket, nous sommes capables de gérer tout cela. OK? On finit, je ne vais pas oublier la puissance des réseaux sociaux.
Écoute, souvent, la réputation d'un entrepreneur est souvent évoquée. C'est sur les réseaux sociaux qu'il est capable de faire ce meilleur marketing. Hmm? Expliquer qui il fait, qui est sa réputation, comment ça bon. Oui, il y a des gens qui vous commentent pour dire, moi, déjà, c'est au rap. Oh, ça client là, mon désastre, ça, excusez-moi, ça, l'entreprise, hein, ce service très bon. Et bien sûr, si il y a une erreur, ben, il n'y a pas pour. Pas pour faire nous un privilège pour dire nous affaires là. Bon, quand le produit est effectué, hein, il y en a beaucoup qui réputation gâtée. La dernière fois que nous trouvons déjà une ambiguïté dans McDonald's, côté Tienaman. Apparemment, tu mets un poste qui peut servir un produit périmé, pour ça, il crée un doute dans l'esprit du consommateur. Hein? Est-ce qu'il livrait ça? Est-ce qu'il faut ça? Et là, il y a une enquête, il y a une façon pour contrôler ça, il y a une façon pour communiquer, qui peut dire, voilà, nous, on peut démentir ça. Donc, réseaux sociaux, il est vraiment, vraiment sensible. Mais il y a un atout formidable, comment il est capable aussi. Le contraire, un seul coup, il est capable pour l'entreprise. Vous connaissez comment nous pouvons communiquer, ou qui nous peut communiquer et qui s'en a pour communiquer ça. Ok, vous avez un professionnel, un amantimon qui est assez à l'aise ça, qui fait une formation. Donc, ça, c'est aussi une partie prenante de nos projets dans le côté de distribution, dans le côté de branding and communication. Ok, donc tout cela, c'est dans la case de relation avec les clients. Le flux de revenus. Bon, c'est plutôt man revenus qui man source de revenus qui seront gérés par notre activité. Est-ce qu'il nous prie pour fixer en fonction du volume, en fonction du temps passé? Tirer là, c'est d'un forfait, ça. Une erreur de frappe là. Un forfait. Ok, ça veut dire est-ce qu'il nos concurrents, nous vous mettez si vous passez 500 roupies, si vous buyez free, vous pouvez 300 roupies. Ça, c'est à nous de voir comment nous faisons ça, ou bien vous pouvez un forfait, ça veut dire un package. Vous pouvez pas pouvoir acheter un produit, vous pouvez acheter un lot de produits, ok? Ou bien nous pouvons déterminer nos prix par rapport au temps du passé, ça veut dire si nous connaissons un produit qui périmait facilement, un temps de vie, un temps de pérennisation. Pérennisation, ça veut dire comme des produits alimentaires. Nous prenons l'exemple, un yaourt. Si un yaourt, nous connaissons dans 2 mois, il va l'expirer. Donc, il y a une promotion, une bestie. Tout cela, nous devons finir en avance, finir calculé. OK? Est-ce qu'ils sont man prix? C'est man prix de catalogue. Est-ce qu'ils sont man prix? C'est man prix adapté à la concurrence, parce que si nos concurrents peuvent vendre ça 150 roupies, donc nous mettons 140 roupies sans que nous ne fassions une étude pour trouver qui voilà 140 roupies, là nous ne pouvons pas payer aucun profit ou bien nous ne pouvons pas saisir une idée d'insertion sur le marché, pénétration pour le prix, ou sinon c'est par rapport à nos concurrents qui nous permettent ça, il n'est pas balancé. Nous avons fini de déterminer tout ça là. OK? Nous avons fini de dire qui voilà. Le produit nous coûte nous tant, nous avec nos marges de profit, nous va revenir tant, nous va venir tant, X amount. OK? Est-ce qu'il dépend du conditionnement, il dépend de l'objectif, de la rareté du produit? Cela, c'est quelque chose qui nous a, pas dire nous inventer, mais nous créer. Mais tout seul et la recette ou la création de ce produit-là, ben, si 10 mounes ils ont acheté ça, ils ont obligatoirement venir avec nous. Donc, là, effectivement, nous sommes capables de monter un petit peu le produit parce que nous n'avons aucun concurrent. OK? Est-ce qu'il nous vend un produit il est fixe, il est négociable? Est-ce qu'il nous pouvait un système de fidélisation, dis-moi si y a habitué venir avec nous de tous les mois, donc est-ce qu'il y a un privilège pour gagner un certain montant de discount, comme c'est un 10% 15% de discount, ou bien c'est tout ça là
nous sommes capables de développer dans sa carrière-là, dans sa flux de revenus-là, nous sommes assisés, guetter comment nos concurrents peuvent faire et nous, qui nous capables d'amener nous. OK? Qui nous sommes capables de faire nous, nous capables de créer la valeur et générer le profit. OK? Qui va un flux. Quand nous faisons un business model, nous avons beaucoup de ressources clés. Un élément indispensable au lancement de l'activité. Ça veut dire, si tu peux dire, si moi, je peux faire boxer short, nos ressources clés, évidemment, le tissu biologique et surtout l'élastique. Ça, c'est une ressource clé qui, si je peux ça, je ne peux pas faire mon produit. Je suis capable de finir identifier ça. Identifier ça, une ressource clé là, qui est bien pour capable aller de l'avant avec d'autres produit. Et dans ce petit carré-là, je décris à lui, matériel, immatériel, est-ce que financièrement, c'est un investissement que obligatoirement, vous avez un certain investissement financier pour réaliser le projet, mon métier. Humain, est-ce qu'il y a un individu qui a une dextérité, une capacité, une expertise dans un processus important pour la réalisation du projet? Je vais écrire à lui parce que si moi, je peux aller, je vais vous donner un djimoun qui est allé parce qu'il y a une pièce maîtresse, il y a une affaire importante pour la réalisation de mon projet. Qui est une ressource qui m'a déjà? Est-ce que peut-être le background, l'expérience qui moi, a déjà? Ça, si je vais finir mes pieds, qui m'a obtenu, il y a déjà, je vais finir mes pieds, qui pour une certaine étude qui m'a fait, qui m'a une certaine dextérité, une certaine expertise qui m'a capable mettre en avant dans le projet, que ce soit n'importe hein, du côté qui est côté intellectuel, ça veut dire qui est côté académique, ou bien qui est côté manuel, on prend là qui m'a une dextérité avec mon lame, mon connais comment par exemple comment assise une machine à coudre, mon connais mon dextérité là, mon métier là-dedans, mon capable en place un dimanche demain, le côté opération. Et de la côté gestion, si moi j'allais, je vais mettre lui aussi. OK? Et bien sûr, qui bande ressources qui j'ai besoin procurer, qui nous bien le roder, qui va bien le roder, qui bande PMI, qui bande PMI qui nous besoin. OK? Est-ce qu'il y a un PMI important, un PMI obligatoire, qui nous besoin, il y a une certification qui nous besoin. Donc, nous besoin mettre tout cela, moi j'ai besoin une certification qui voilà. Le produit, la matière première est certifié écossais biologique. Donc, mon petit besoin, effectivement, il a sa certification, il a fait sa démarche avant mon lancement dans son projet biologique. Là. Donc, c'est un petit peu un résumé de ma ressource clé qui est le besoin. Avec cela, bien sûr, nous avons un partenaire clé. Il y a un proverbe africain qui dit: celui qui veut aller vite, il va seul. Celui qui veut aller loin, il va accompagner. C'est qui me peut redire ça là. Il y a certaines ressources qu'il vous faut, qui vous font défaut, peuvent être apportées par des partenaires. Nous pas capables d'y un jack of all trades quand on a une startup, nous peut commencer, nous peut créer une entreprise, on a l'idée de création. Nous pas capables d'y faire de A à Z, mais tout seul pour faire tout. Totalement fou ça. Nous sommes capables d'identifier un partenaire clé qui est capable d'être nous là-dedans. Même si n'est pas un partenaire local, comme on dit un partenaire clé, nous avons un fournisseur, un sous-traitant, un ingénieur. Donc, il y a une dextérité, une ressource clé qui sont capables d'apporter. Moi, quand je crée l'entreprise, je ne suis pas quelqu'un qui est capable, je ne connais pas ça veut dire une machine à coudre. Moi, je suis une entreprise, je suis une usine qui me crée, je ne connais pas ça veut dire une machine à coudre. Je ne connais pas une machine qui est besoin pour faire telle opération, à telle opération, comment assise là, comment fil un défil, comment pour trapper un tissu pour passer sur la machine là, je ne connais pas toute sa connaissance là. Je ne connais pas si pas besoin comme commencer, besoin mettre un matelas, coupler, avant tout, besoin de patronage. Mettre un assiette matière première, mettre matelas, c'est qu'on appelle matelas, là, c'est mettre l'aise pour l'aise, un tissu là, mettre nous faire la coupe, ensuite, à l'opération finie, à l'un checking, côté pour besoin,
trimer, c'est-à-dire couper tout un petit bout de fil en plus, finir ça, faire un repassage, finir le repassage, ça y a dans un packaging. Ensuite, nous commençons à délivrer à nos clients. Donc, il y a plusieurs processus, plusieurs façons. Moi, je pensais, bien simple, bien élaboré. Donc, tout ça, nous sommes capables de élaborer avant. Et là, on trouvait que voilà, premier partenaire clé qui m'a besoin, moi, c'est déjà le fournisseur de tissu qui m'a besoin gagné. Ensuite, bien sûr, vous avez besoin d'un bon opérateur. Vous avez besoin d'un manager ou un supervisor qui est capable de contrôler l'opération. Si je ne suis pas capable de contrôler ça, je suis pénal d'extérité. Je suis juste le côté managerial, la gestion de l'entreprise, pas l'opération. Donc, je suis besoin d'identifier un bandit qui a ça l'expertise. OK? Il y en a beaucoup, il faut encore que je sous-traite le côté packaging, le côté repassage aussi. Capable d'en attendre beaucoup quand nous bien prenons ça, acquitte ça avec un quelqu'un qui est capable de repasser ça pour nous, avec faire le packaging pour nous. OK? C'est rallier des partenaires reconnus à votre projet qui n'a pas de réputation, qui n'a pas l'avantage compétitif. OK? Déjà, moi, tu vas le prendre mon tissu avec un grand groupe qui s'appelle Ciel Group Tech Ortinite. C'est deux réputations, deux gros boîtes. Il y en a de fournisseurs, de fabricants qui fabriquent, qui produisent un tissu de haute qualité. Donc, comme même moi, tu peux dire comme ça, comme mon client, tu peux dire, mon tissu d'un côté sorti, comme tu peux dire, mon tissu sorti, quand nous partenaires, c'est un groupe, et Ortinit, c'est déjà un réconfort. Maintenant, fini de trouver, bon, ben, c'est de la qualité. C'est pas mon n'importe ça, on ne peut pas dire l'importation, on dit pas bon, mais on ne peut pas n'importe ça de XY. Pays que nous ne connaissons pas des enfants qui peuvent faire ça parce que nous pouvons vendre un produit. Moi, je peux vendre un produit dans le développement durable et un produit aussi qui nous appelle respectueux des bonnes termes. Ça veut dire que nous pouvons faire un outil bien sensible que nous ne fournissons pas dans l'illégalité. Ça veut dire que les enfants peuvent travailler, qui peuvent dépasser l'heure qu'ils ne sont pas supposés dépasser. Puis maltraite ce bon travailleur, tout ça là, nos clients demandent nous un cahier des choses, demandent nous expliquer bien. C'est pour ça qu'il est important que tu choisisses bien ce bon partenaire, parce que si demain, je puis envie vise l'exportation, les autres clients à l'exportation, ils vous demandent exactement qui ce bon du monde peut travailler, qui bon partenaire qui est là, pour être capable de connaître, si pas, ce dans les normes, si pas, ce peut respecter sa côté environnemental, là, sa côté social. Là. Parce que ça, c'est un critère déterminant pour le produit capable excellent, le prix capable extrêmement bon. Mais l'esclavage moderne, nous peut travailler avec un partenaire qui peut faire une maltraitance, qui peut travailler avec des enfants. Il n'est pas dans nos normes, il n'est pas dans nos cultures entrepreneuriales, il n'est pas dans nos cultures de l'entreprise pour nous pour faire partenaire avec sa qualité du monde. Donc, c'est pour ça qu'il est important, sa phase partenaire-là, il est important qu'on choisisse un partenaire clé. Clé, pas vraiment, veut dire la qualité. N, c'est la qualité, mais tout ce qui m'ont dit, je ne peux pas dire là, respectueux de l'environnement, respectueux social et humain aussi. Là, nous sommes capables de collaborer et nous pouvons gagner un produit qui nous sommes capables de vendre ici. Je n'ai dit mon ni pour nous quand nous avons un partenaire, j'ai dit tout le monde nous travaille avec un nouveau fournisseur, ben c'est un des bons fournisseurs qui déjà a telle certification. Et respecter ces normes-là. C'est pour ça que voilà, le prix aussi, il peut refléter le prix qui m'a permis, la qualité qui m'a permis dans mon produit fini-là, il peut refléter ça. Si nous, dans l'alimentation, nous devons travailler avec un éleveur qui, voilà, pas bien mortiriser ces animaux-là. OK? Qui a une certaine façon, un certain processus qu'il peut faire, l'élevage. OK, qui l'élevage là, les certifiés, élevage propre. OK, un élevage séisme, catalyse, quand on tient, il peut venir de pétouquer, X, Y, Z, animaux comme ça, sans qu'il y ait une façon de faire. OK, donc il y a pour autant qu'ils se choisissent bien, ils ont un partenaire, ils ont un fournisseur, ils ont un sous-traitant, parce qu'il y a vraiment un avantage compétitif comparé à un concurrent. Bon, activité clé. On
bien bien connu. Donc qui nous paye qui mène activité qui important pour nous pour la réalisation de nos projets, toutes les activités indispensables que vous devez mettre en œuvre pour le fonctionnement de votre entreprise. Indispensable là, l'important, ça veut dire qui mène activité autres qui ont jugé qui vraiment vous êtes obligé en aller créer de la valeur de votre entreprise. Il peut être mentionner 3 mois marketing pour moi, logistique et production. C'est 3 affaires qui vraiment vraiment mon activité clé coûte vraiment si je bien investi le temps et l'argent, c'est dans ces 3 affaires là. Le marketing, que ce soit le service, que ce soit le produit, si je d'un côté service, si je d'un côté production, marketing est extrêmement important. Dis-moi bien connu qui je peux faire. Dis-moi bien qu'on a produit. Mais il y a une visibilité. OK? C'est pour ça que souvent même ces derniers temps-là, je peux trouver que même les réseaux sociaux, il y a une compagnie qui pas nécessairement qui veut faire une activité pour une foi. Un exemple musulman, mais il permet. Id Moubarak, par exemple, de nos compagnies, même Mohamed Jezot, nous collaborons beaucoup avec un gros client, Moura, Trading Investment et Moura Operation. Moura, c'est une compagnie funéraire. Mais jamais il manque un événement, que ce soit Kabili, que ce soit n'importe qui fois, n'importe qui fête nationale ou internationale, pour communiquer, et pour souhaiter sur mon followers une bonne fête. Donc, il n'est pas nécessairement que si nous faisons une activité qui principalement vise une certaine communauté, qui ne peut pas communiquer, l'autre communauté là, sur fait, ne peut pas communiquer. C'est une forme de marketing. Marketing est vraiment, vraiment important. Si vous n'êtes pas là. Logistique, comment dire, canaux de distribution, logistique, c'est vraiment une affaire hyper, hyper importante. Important dans le sens que nous sommes bien capables de régler ce problème qu'appelle en retard là. Donc, si nous disons à nos clients, nous pouvons livrer libre, vendredi 11h, c'est vendredi 11h, ils viennent contre nous, ils peuvent gagner sur commande, ils peuvent gagner sur mon produit. OK? Et ça, impératif, ça. Si c'est une réussite, maîtriser ça, c'est un avantage concurrentiel extrêmement important. Parce que nous arrivons à vivre dans un environnement où tout le monde, infini, notre agenda finit pour une journée. Ça veut dire 4 heures à 5 heures, on a besoin de faire ça, 5 heures à 6 heures, on a besoin de faire ça, 6 heures à 7 heures, on a besoin de faire ça. C'était ça. Living comme ça, c'est-à-dire. Nous pouvons vivre dans un pas cardiaque comme ça. Je ne connais pas qui m'a pour faire aller. Je me pose une question qui se pour faire dans 2 heures de temps. Je tout fini connu dans 2 heures de temps. Quand je me pose qui m'a pour faire aujourd'hui. Dis comme ça. Donc, le temps est une vie précieuse pour tout le monde. Pas juste pour ça, du monde qui peut produire, qui peut gérer l'entreprise, mais aussi pour le client. Surtout le client, le temps est une vie précieuse pour lui. Si nous avons un magasin, nous allons vous connaître la semaine prochaine. Mercredi, nous avons une nouvelle collection, une nouvelle commande, un nouveau produit qui pour rentrer. Bon, pour capable venir la semaine prochaine pour gagner. Ben, si nous venons la semaine prochaine, nous pas gagner. Ben, c'est un client perdu. Il va pouvoir venir go to parce qu'il ne fait confiance. Il pas dans aucun port. Il attend pour venir go to mercredi parce qu'il disait ça mercredi tantôt. C'est un coup de mercredi grand matin. Il vient, il dit pas gagner ce produit. Ben, il peut bien aller ailleurs. Et jamais il pourrait venir go to encore. Ok. Donc c'est tout ça là. C'est ban. Un point qui moi motive bien sensible là qui me fait moi réussir, c'est bien sûr le respect du délai de la livraison. Si nous avons une logistique solide, nous pas pour capable respecter ça. Ensuite, bien sûr, la production nous capable une activité clé, nous capable une activité, c'est là que nous pouvons générer plus de profit. Moi explique-moi,
si nous réussissons à trouver un processus, comment tu peux commencer? Comment tu peux commencer? Moi, je suis capable de faire juste à peu près avec la quantité qui me tient, 100 boxeurs pour tu vois, à peu près. Hein? Avec la même quantité, avec le processus, comment nous évoluer, nous rouler un peu machine, un peu l'autre qualité machine, et avec la même quantité de personnes, nous arrivons jusqu'à 300, 400 quantités par jour. Juste avec un petit peu d'intelligence, nous dire, bon, c'est nous faire ça l'opération là, ou bien c'est nous faire de l'opération en même temps, il peut faire côté gauche, il fait côté droite. Bon, on dit un petit peu plus créatif. Un exemple que me donne d'autres qui est assez flagrant, qui m'utilisait souvent moi comme faire un petit coup avec mon garçon qui est en primaire. Comme faire tout coup, les gens me savent, papa, ben, à l'école, on nous explique la multiplication, ensuite la division. Vous avez dit, ben, un petit peu bête, si ton professeur est un petit peu plus en vie, trouver un nouveau système d'enseigner, tu peux dire que là, 3 fois 2 est égal à 6, pareil, comme 6 divise en 3 est égal à 2. Nous faisons tous les deux ensemble. Tu peux comprendre la logique qui peut venir par derrière là? Parce que nous, entrepreneurs, nous sommes capables de venir, nous pouvons casser le code, nous sommes capables de venir améliorer ce code là. Oui, il y a une façon de faire dans le processus de production, que tout le monde suive le même processus. Mais nous, entrepreneurs, nous sommes capables, quand nous capables, comme si vous venez un ingénieur, redresser ça, recalculer. Moi, je prends time, je calcule, je dis qu'il prend 30 secondes pour faire une opération, il prend une minute pour chercher un autre produit pour venir là. Après, il fait juste 30 secondes là, les relever, les réels là-bas. Bon, ben, il y a un monde calculé, comment nous capables ce produit-là, comment il est sorti de ça, la chaîne là, ici, ben, il est juste via sur les deux. Du moment de nuit, il fait deuxième opération là, il envoie lui là-bas, il fait troisième opération. Tout ça là, je suis capable de calculer ça. Et nous gagnons l'eau là, le coût. Petit économie que nous faisons l'eau là, nous gagnons l'eau là. Et c'est pas ce bon salarié, c'est pas ce bon collègue, ce bon employé qui vous vient dire je, comment vous en faire. Hein? Je peux vous dire, assiser, réfléchir, à suivre, à guetter comment man, les autres peuvent faire. Et ce qui l'idée, je tiens là pour capable améliorer ça. Ça, c'est une activité clé qui est capable de finir réfléchir et qui je mette ça dans notre business model. Moi, je vous fais comme ça. Tout le monde fait A, B, C, D. Moi, je parle de C. Après, vous pouvez venir au B. Après, vous pouvez venir au C. Parce que, voilà, la réponse, voilà, la conclusion, c'est qu'il peut gagner le financier. Il peut gagner le coût. Il peut gagner le temps. Donc, nous devons élaborer toutes les tâches importantes sans lesquelles votre entreprise ne fonctionnerait pas. Si Pina, ça m'a une tâche importante, là, pour marketing, logistique, production, exemple, ben, une entreprise, ben, Gaspillane, nous fait une entreprise. OK? Après, dépendant des autres produits que je peux faire, secteur d'activité que je peux exercer, définitivement, je peux besoin d'une activité clé là-dedans. OK? Ils ont élaboré ça dans sa case-là. Une structure des coûts. Bon, à ce niveau-là, quand on arrive là, on peut faire juste une première évaluation parce qu'il nous faut faire une analyse financière, une analyse comptable après. Mais nous avons une certaine indication. Combien le projet peut coûter? Qui m'a une ressource qui est plus coûteuse? Est-ce que c'est une machine qui m'a proposé là, une machine spéciale? Donc, l'équipement qui est plus coûteux dans l'entreprise? Ou bien c'est le côté marketing qui est un petit peu plus? Ou bien c'est un côté technologique là? Ça veut dire Internet? Ou bien ça dépend si le service c'est plus. Ce n'est pas les équipements qui sont beaucoup plus chers, c'est plutôt man certificat qui nous coûte qui beaucoup nous plus cher. Ça dépend, je dois identifier. Et surtout, qui m'a un coût prioritaire. OK? Qui m'a un coût prioritaire pour nous l'entreprise, qui m'a un coût incontournable pour nous l'entreprise. Ne pas mettre, on va nous dire, s'arrête devant bœuf.
avant nous gagner l'entreprise, premièrement, nous besoin gagner local. Nous besoin gagner local. Nous pas capable acheter un équipement sans que nous gagnions local. Nous besoin gagner local pour nous capable ensuite acheter un équipement. Nous pas capable dire comme ça et voilà, mais premières affaires qui vont vous faire, vous pas acheter machine, mais quand vous finissez ces machines, quand vous mettez, quand vous payez un local, un bâtiment. OK? Donc, nous avons une structure, ça m'a un coup là. Une structure dit pour phase, distinguer. Qui est un coup fixe, c'est-à-dire loyer, prime d'assurance, etc. C'est un coup fixe. Loyer, tout ce qu'on appelle loan, emprunt, c'est un coup fixe que nous payons tous les mois. Okay? Les coûts variables, ça dépend du volume d'activité, électricité, des lots. Matière première, c'est variable. Ça dépend de la quantité que nous utilisons. Salaire, il y a un coût fixe. C'est-à-dire, il y a un travail, nous avons besoin de travailler. Cette étude sera finie ensuite lors de l'élaboration de votre plan d'affaires. Quand vous faites un business plan, ça, vous venez affiner ça. Okay? Mais c'est juste que nous mettons en gros, nous sommes capables d'identifier 3 ou 4 coûts incontournables coûteux pour nous l'entreprise qui nous besoin impérativement et n'a avant le démarre de bonne activité. Voilà. Quand nous résume tout ça là, je besoin d'un tableau comme ça. Ça c'est un exemple qui vous peut donner de un business model. C'est ce que je peux trouver aux autres écrans là, c'est ça qu'appelle un business model Canva. OK? Je te fais pareil comme ça. Là, on prend l'exemple Airbnb. Airbnb, je te connais qui était ça. Airbnb, c'est un voyageur qui décide pour par exemple, Maurice, mon vieil Rodrigue, mon vieil reste dans l'hôtel. Il y a un particulier qui est capable de lui en la chambre au mois côté. Ben, il y a l'eau sa plateforme Airbnb là. Moi, mon enregistrement l'eau là, moi dire oui, mon vieil reste au Mathurin. Au tableau là, il n'a pas 5-6 la maison. Il dit moi, c'est un propriétaire qui dit moi, écoute moi, il a la chambre ou il a la chambre, toilette, une petite chose, mon respirer, la mère des affaires, tel prix, beaucoup moins cher qu'il y a un hôtel. Si moi, je là-bas juste pour 2-3 jours, il faut la peine qui vers un type de logement comme ça. Et c'est un cas qui est très, très intéressant. Le Airbnb, c'est une idée vraiment, vraiment intéressante quand on fait vraiment une success story. On nous guette un petit peu vraiment pour Airbnb, qui est une plateforme, on va dire, une plateforme d'hébergement, qui est ce bon partenaire clé. Ce bon partenaire clé, photographe. Parce qu'il besoin de mettre photo pour ne pas rester là. Il besoin d'un photographe. On lit qui est capable. Quand on a envoyé une photo, les recadrer, les retravailler photo là pour mettre l'eau sur plateforme. Donc, c'est un partenaire clé pour lui dans ce business. Et automatiquement, les hébergements. OK? Ensuite, le conseil d'administration de l'entreprise. Parce que c'est un business model d'une compagnie de service. On prend, parce que souvent, on prend un exemple avant une compagnie de production. Là, on a envie de faire un business model plus basé sur le service. Okay? Le conseil d'administration de l'entreprise, donc Santimon qui peut faire sa follow-up là, Santimon qui peut gérer sa plateforme là, un partenaire clé pour lui, investisseur, expert, okay? Bien sûr, les voyageurs même, un client, c'est un partenaire pour lui, pour la réalisation de ce projet. Tout le monde, nous sommes pareil, c'est nos clients, nous sommes un partenaire. Il y a un service de paiement sécurisé, PayPal, qui vraiment une bonne réputation. Donc, identifier ça, 5-6 points-là comme étant sur un partenaire clé. Si PayPal n'est pas capable de faire ce projet Airbnb. Okay? L'activité clé qu'il a mis, le community management, c'est vraiment une autre formule qu'il a utilisée, il n'est pas mis pour une passer un bon moment, ou bien pour venir dans l'hôtel, comment l'hôtel habitué vendre sa concept-là. Là, c'est le community management, c'est plutôt, on a un côté un client, on a une ville Maurice, un étranger, une ville Maurice, on a un risque côté particulier, vraiment,
mon envie qu'on la culture mauricienne, parce que ça particulier là, le plus apte, explique-moi, à van la culture mauricienne avec lui. Donc, c'était pas vraiment le luxe, c'était pas vraiment un dimoun vin de moi, un manger grand matin, dans un restaurant, dans la piscine, pour me payer sur un taxi, pour venir chez moi, pour faire un des shopping, pour revenir, pour dîner, pour aller à la discothèque. Non. C'est le community management qui dit venir. Ça, c'est une activité clé d'Airbnb. Airbnb. OK? La gestion de la plateforme, ça veut dire à dimoun qui peut gérer sa plateforme là, parce que tu es capable d'imaginer que j'ai beaucoup de demandes par jour. Donc, j'ai même du monde qui a une qualité, une expertise pour gérer sa plateforme-là. La gestion de demandes et réclamations de clients. Donc, il y a ce qu'on appelle une demande spécifique ou bien il y a un du monde qui vous mettez. Bon, ben, on a Airbnb, si moi, on a Maurice, on a Ricordeux, Abo Bassin, Ricordeux, Mokadia qui voilà. Je n'ai pas envie, je n'ai pas recommandé personne par risque parce qu'il y a des affaires, Donc, il y a des gens qui viennent agir ça aussi. OK? Ensuite, dans mon activité clé en bas, vous trouvez ressources clés. Qui est bien pour capable faire sur plateforme web? Définitivement, les bien capable de venir sur plateforme web. Plateforme web, là, les bien very, very friendly. Les bien facile à utiliser, les bien attirant. Les bien comme, déjà, comment on rentre l'eau Airbnb là sur plateforme, les bien finir de trouver moi. Dans le logement contre mon propriétaire Maurice, en Europe, en France, pour finir trouve, pour qu'on vienne à l'île Maurice, pour finir trouve moi là-dedans. OK? Il y a une loge, communauté d'hôtes et de voyageurs, 150 pays. Donc, ce n'est pas une mince affaire, hein? C'est vraiment international. Il y a 10 plateformes internationales, 150 pays connectés par les voyageurs dans n'importe quel pays. Donc, il y a vraiment, vraiment une plateforme vraiment, vraiment solide avec un serveur, un hébergeur qui est vraiment, vraiment distingué, un management, un IT manager qui est vraiment, vraiment qualifié pour capable gérer ça. Imaginez, vous avez une panne là, combien de voyageurs qui sont bloqués, combien d'argent qui est bloqué là-dedans. Donc, il est vraiment, vraiment performant. Donc, c'est pour ça, ça ressource, ça, c'est une ressource clé pour lui. Ce n'est pas une ressource clé, c'est vraiment, oui, une communauté d'autres. Mais c'est surtout sur plateforme web qui met avant qui est bien solide. Vous êtes sur proposition de valeur, sur proposition de valeur pour mon hébergeur, ça veut dire pour moi, qui me peut mettre la maison, ou mettre la chambre sur Airbnb, me peut gagner un revenu. Bien sûr, je vous ai besoin de payer moi, vous les viendrez sur moi. Font la connaissance des voyageurs, moi, capable, moi, ici, en qui me gagne là-dedans, mon proposition de valeur là, en même temps, je peux prendre là, un officine venir, ne reste pas. Qui l'envoie dans la piscine, il vient avec moi, il peut partager une connaissance avec moi, quand il partage, il échange une connaissance avec lui, il élargit mes connaissances. OK? Ça pour les voyageurs. Maintenant, voyageurs là, définitivement, il peut vivre une expérience unique parce que il n'est pas une expérience qu'on est capable, c'est pas tous les jours qu'on est capable d'avoir directement un exemple, une routine carré-poisson. Hein? Même si nous avons l'hôtel, il n'est pas. Il n'est pas évident qu'il nous gagne ça parce qu'il nous a les autres choix. Tandis là, nous avons dit à Dimouna, bon, ben, il a envie de manger un plat typique, Maurice. On a envie de connaître un petit peu l'histoire mauricienne. On a le temps, nous avons causé un petit peu de temps. Il y a un fini de travail, on a venu dans la chambre, on a causé un peu. Bien sûr, on a un prix réduit, une facilité de réservation. Je dis, clique là, les papiers demandent moi. XYZ, passeport, une garantie ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop comment il marche, mais l'économie, plus facile pour réserver une plateforme Airbnb qui est une plateforme d'hôtel, un groupe d'hôtel là. Définitivement, quand on crée une relation avec nos hôtes, les gens qui peuvent héberger nous là, 100% je peux donner nous un bon tip parce que tu sens besoin d'aller sinon on vient faire shopping bon ben les besoins nous t'envoie ben il y a un bazar il y a un endroit assez spécialisé que tu peux faire comparé dans l'hôtel quand nous besoin de se faire taxi amène nous acheter quelques vêtements il va amener nous demande justement grand mort là parce que le chauffeur taxi il a déjà une affiliation il a déjà un contact il a déjà un business qu'il peut faire avec le propriétaire du magasin touristique là le commissionning. Donc, il est obligé d'amener là-bas. Donc, nous vous payons cher. Tandis qu'on est dans un Airbnb, nous continuons de finir une relation qui crée une relation avec les Lili pour donner un bon plan, un bon place que nous vous allez. OK?
Définitivement, en relation client, nous avons une assistance 24 sur 24, 7 sur 7. Airbnb, il y a sa assistance là. Nous prenons une présence sur les réseaux sociaux, donc, sur tous les réseaux sociaux, ça c'est sur relation client. Quand nous avons ce canal de distribution, les remettre plateforme web, ça c'est vraiment primordial pour lui. Il y a une application mobile, ok? C'est une application le Google Play, nous pouvons trouver Airbnb, nous faire application mobile là, là. Ok? Un Spot TV pour lui, en tout cas, trouver le 150 pays qui exactement ban hébergement qui fait l'apologie de la plateforme, l'apologie de l'entreprise, il met ça là. Et surtout, sur le canal de distribution, les réseaux sociaux, toujours présents sur les réseaux sociaux. Donc, il vise une clientèle assez jeune qui, voilà, quelques amis, 3-4 camarades, ils décidaient pas pour une fin de chile tout Maurice. Donc, je pas financièrement, je pas qu'à permettre de rester longtemps dans l'hôtel. Donc, je t'en vais, je passe 3 semaines, Maurice. Et puis, avantageux pour eux de venir dans de passer pour le plateforme Airbnb, qui est dans l'hôtel. Donc, pour tout ce même clientèle-là, impérativement, les visites présents aux réseaux sociaux. OK? Segment client pour les hébergeurs. C'est toutes les personnes souhaitant un complément de revenus. OK? Tout du monde, il n'est pas nécessairement besoin de 50 la somme que moi ka valo sa plateforme là mon asis en la somme ou bien même mon asis mo la somme mais c'est mon sa période là mon pas pour là mon ka pas lui la somme là ça aussi il faisable ça c'est ça moi mon dire mon somme pour en vacances un mois en France donc mon la somme la maison les libre mon ka mettre dilo Airbnb qui n'a dit mon qui envie rester côté moi pendant un mois là ben les bienvenus et ça ça mon pays pour voyager mon fier bon. OK, les hébergeurs, ils ont bien envie de transmettre le goût de son pays, ils bien connaître un petit peu aussi bon ben qui nous est dans Maurice, qui nous cave vendre, conseiller qui nous capable partager avec nos ban voyageurs, nos ban hôtes qui pour venir. Les voyageurs, bon, c'est plutôt ban comment nous dire à l'esprit aventurier, ils pas venir pour si ils peuvent passer un bon moment mais on veut dire, si il reste 10 jours, Maurice, il reste 8 jours Airbnb et 2 jours à l'hôtel pour au moins profiter un petit peu aussi de l'hôtel. Donc, il y a un choix là. OK? Envie de voyager autrement. Il y a une envie de découvrir les cultures. Et c'est ça qui nous a souvent dit actuellement. Le tourisme, il peut changer. Il peut plus d'un tourisme écologique, un tourisme plus culturel. OK? Et bien sûr, un voyageur qui a envie de faire une économie. Dans cette structure, du coup, quand nous guettons, il fait un développement de la plateforme web et de l'application. Ça, c'est important. Les premiers affaires qu'il mettait dans cette structure, du coup, qui coûte de l'argent, quand il vient mettre coûteux, il met priorité aux plateformes et applications. Ensuite, il met un budget de marketing et de communication. C'est quelque chose de très, 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 très important. Quand l'emphase, il met le community management. L'emphase de la publicité, il fait le community management. Et bien sûr, les ressources humaines. Ça, c'est sur la structure du coulis. OK? Je suis bien capable de faire ça. OK? Sur ma source de revenus, il donne une commission de 6 et 12% pour chaque réservation du voyageur là pour faire. Ça veut dire si le voyageur là se décide pour vendre ça, 300 roupies, 3000 roupies, il vend ça, il y a 10%, 6 à 10, et entre 6 et 12, peut-être 10% qu'il peut gagner dans là. Si nous mettons la maison en sur Airbnb, OK? Et puis, pour un frais de service, sinon, si nous disons, bon, ben voilà, nous pas chercher l'aéroport, nous pas mener ici, si nous mettons tout ça là, nous mettons nos voitures aussi en location avec lui, donc nous gagnons une commission l'eau là. Ça, c'est une source de revenus qui nous a gagné, OK? Nous autres, un canevas. Hop, c'est-à-dire vite. Ce qui nous espérait, ce qui nous peut attendre de autres, c'est voilà, je te remplis les. Nous pensons actuellement, continuité de nos formations, je tenais les informations nécessaires pour remplir ça,
ban casa pour remplir ça business model là. Nous avons toutes les informations nécessaires parce que nous commençons six sessions, nous commençons là, c'est notre sixième session. Donc, nous avons la moitié de la formation. Bizen finit d'identifier un petit peu, on va dire tous les cases, mais peut-être 50% sont capables de finir comment se remplir de ça. Remplir-li, gêter un coup, c'est pas li make sense, gêter un coup, c'est pas li cohérent, gêter un coup, c'est pas vrai même, tout ce qui je peux dire là, li faisable, li pas faisable. Côté dans ce point faux, côté dans ce point faible, côté dans l'activité qui est nécessaire que je disais, côté dans ce point faible, côté dans ce ça, écrire tout ça là. Si c'est vraiment là, le segment de clientèle visé que je peux viser, comment je peux distribuer ça? Qui va me porter une clé que je peux viser? Je te mets tout ça là, l'eau là, en bullet points. OK? Là, je peux gagner un visuel de ce projet, un visuel de ce business, un modèle exactement que je peux créer pour ce projet. Quand je peux remplir ça. Quand nous finissons faire ça, business model là, nous sommes capables à ce là présenter oralement. Ok, c'est ce qu'on appelle un pitch. Comment nous sommes capables de présenter ça oralement? Nous sommes démontrer sa cohérence. Ok, de bonne partie prenante, ça veut dire premier dimon, premier partenaire qui nous parle vanné, c'est une bonne partie prenante. Ça veut dire la banque. Ça veut dire un investisseur potentiel qui est capable de rejoindre nous. Ça veut dire nous, un fournisseur qui nous peut viser, un fournisseur clé. Bon, vous pouvez viser tel produit avec vous, parce qu'on peut faire ça, 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 ça. Et à la fin, vous avez tel produit. Nous sommes capables de vendre ça oralement. Nous faisons une présentation très courte durée, 1 à 2 minutes. Il y en a des types de présentation, 1 à 2 minutes ou bien 10 minutes. Ça, je vous explique juste après ça. Pour présenter ça, on appelle ça une pitch. Le pitch nécessite une préparation très sérieuse dont le mot-clé est la concision. OK? Libisien concis. Bien concis, ça veut dire libisien linéaire. Libisien depuis le commencement jusqu'à finir. C'est 9 cases qui nous fait là. Nous nous expliquons là. Un business model là, nous sommes capables d'expliquer. Et nous avons un suivi là-dedans. Et nous avons un suivi là-dedans. OK? Alors, comment dire, tout à l'heure là, c'est le pitch et la bonne annonce du projet, c'est-à-dire que votre force de conviction doit s'exercer le temps d'un déplacement en ascenseur. Je veux dire, le temps que je prends un ascenseur de zéro, ça veut dire, ou bien de flow, ground flow, vous êtes à l'au 5e étage, je suis une venaine du monde de cet ascenseur-là, je veux dire, quand je peux sortir de l'ascenseur-là, je finis par sa projet-là avec. OK? C'est un pitch de 1 à 2 minutes, c'est un cocktail, je casse les demandes de cocktail, demande concours de start-up, demande rencontre qu'ils ont pour faire. Et si vous commencez à pratiquer des pièces là même, ok, je enregistre, je écoute, je pose au miroir, je dis de la classe, je pose, je vends ça aux autres familles avant, aux autres conjoints, aux autres madames, aux autres enfants, aux autres voisins. Je sais écouter comment je suis capable. Et là, ça lors de communication là, lors de communiquer ce projet là, parce que c'est vraiment très très important ça. C'est là que je suis capable de rejoindre un investisseur sans qu'ils aient une attente. Je peux dire que j'ai lu l'autre projet et il me dit « Eh, t'inquiète, rejoins-moi dans le lendemain ou quelques jours après, bon, si je suis intéressé pour investir, pour n'importe quoi, dans ça, l'idée de création d'entreprise. » Alors, moi, j'ai trouvé une bonne préparation pour faire un pitch. Il n'est pas venu comme ça. Moi, je me disais, premièrement, j'ai besoin, en minutant votre présentation sur la base de 2 textes, 2 minutes ou bien 10 minutes. 2 minutes, j'ai besoin capable de vendre. En 2 minutes, je time et pas dépasser ça. Parce que après 2 minutes, dis-moi, n'est plus pour un jeu de compte. OK? Il faut venir à 2 minutes, là, il finit accroché au projet là. Et là, s'il continue, je finis qu'on est accroché du monde là. OK? Ça, 2 minutes là, il est bien important pour être capable de faire un pitch, vendre un projet. Je suis capable de faire un ton de convaincance, ça veut dire capable de partager avec mon entourage avant. Je explique ce projet-là. Premièrement, il prend à peu près 3-4 minutes. À la longue, avec la pratique, je pourrais m'en là facilement. Facilement, je pourrais m'en là quand je n'arrive aux 2 minutes ou moins, c'est-à-dire que je donne ce pitch qui est bizarre. OK?
Si y a le plus de 10, plus de 2 minutes, quand je disais un amateur pour diapo, mettez-le le 10 minutes maximum quand nous présente un projet avec un investisseur ou bien un apport. Je vais servir un support PowerPoint. Il faut ne pas lui dépasser 6 à 7 slides personnellement. OK, il faut aller dans 6 slides là. Je finis d'expliquer. Voilà. Si vous investissez avec moi X amount, donc quelques années, vous gagnez Y amount. OK? Et qui va une valeur qui je peux gagner l'eau là, qui va une valeur ajoutée qui je peux amener, et qui va une valeur, bénéfice qui pourrait sortir dans le projet. Et qui, vraiment, problème qui je peux résoudre, que ce soit dans la société ou bien dans n'importe qui processus, je vais résoudre un problème. Et la clientèle visée qui fait les besoins adhérer à votre projet, à votre service ou à votre produit. Ça, c'est une démarche qui attire. Enfin, une démarche que j'ai besoin de faire pour faire votre projet, principalement. Il y en a 8. Ouais. Il y a besoin d'un pitch, il y a besoin d'accrochant. Premier affaire, il y a des affaires qui accrochent. Ça dit, on a dit, il m'a pas de il y a des raisons, c'est qu'il peut dire, moi, là. Mon cave, prête-lui l'oreille au coin des 3 minutes, me donne-moi le temps, parce que mon vie connaît un peu plus. Il y a besoin d'un exposé synthétique, montrer qu'il y a un problème dans la société et où on peut venir résoudre ce problème-là. Il y a besoin adéquat avec, quand tu fais l'adéquation du projet, adéquat avec nous-mêmes, le porteur de projet, qui est adéquat en nous, parce que nous pouvons offrir une valeur, nous pouvons transformer ce problème-là. Je vais venir offrir une solution. Sa solution-là, c'est ça la valeur. OK? Je vais montrer dans le pitch qu'il y a un concurrent actuel ou bien qui paye là, mais un concurrent, comment je peux faire et comment la valeur-là, je vais contourner ce concurrent-là. Qui est un partenaire clé qui nous peut aider? OK? Avec ce partenaire clé-là, nous prenons un atout qui est vraiment attractif. OK? Et surtout, actuellement, quand nous situer nous dans l'élaboration du projet. On finit faire étape 1, étape 2, étape 3. On finit faire ma formation. On finit faire un business plan. Là, on va venir déposer, on va venir rouler un aide avec vous, un aide financier avec vous, qu'on nous dépose avec nos banquiers. On est capable de faire sa pitch là avec lui. Et là, il dit, OK, vous pensez, vous pouvez considérer au business plan. Laissez-moi vous un coup de au business plan. Vous pouvez plus attirer pour ça. Parce qu'on finit faire un travail avant, une recherche avant. OK? Et on peut venir présenter ça. C'est ça la démarche du pitch. C'est ça l'intérêt pour faire un pitch. Un pitch, ce n'est pas vraiment pour vendre le produit. Un pitch professionnel, c'est pour vendre le business model. C'est ça qui est dit. Parce que nous faisons un pitch, pas avec nos consommateurs du produit, nous faisons un pitch avec nos partenaires. Nous faisons un pitch avec nos investisseurs potentiels. C'est ça la différence. Quand nous finissons ça, effectivement, dans la deuxième partie, peut-être la semaine prochaine, nous commençons à tacler. Nous allons vers ce qu'on appelle le plan d'affaires. C'est un petit chemin que nous devons faire. On arrive là du plan d'affaires. OK? Premièrement, quand on fait là, quand on arrive là, l'élaboration du business model, ça veut dire que nous finissons faire une première phase de nos projets, nous à mi-chemin là. Quand on a fini de faire ça, 9 briques qui m'ont dit là, on arrive mi-chemin là. OK? Deuxième étape, j'ai besoin d'élaborer le business plan. Ça veut dire qu'on a une suite logistique, qu'on a une présentation affinée, qu'on a un chiffre concret. Quand vous faites une analyse financière, un bilan, analyse comptable. Donc, vous expliquez comment vous mettre un chiffre concret là. Ensuite, les monter dans ce tas de temps d'affaires, quand je prends une demande pour les parties prenantes, la banque, un organisme qui est pour besoin. Ça, c'est une phase qu'on appelle juridique, qui mon collègue pour venir expliquer après. Et je pourrais gagner moi après pour l'étude de marché, pour tout ce qui est marketing, incontournable. Je peux descendre dans l'adéquation du projet après. Tout le monde, aspect marketing, vous pensez, moi, vous faire aspect marketing avec ça, si vous ne pas tromper. Donc, comment nous pouvons vendre ce produit-là, comment nous pouvons communiquer ce produit-là, pour quel type de pénétration qui nous servit, est-ce que c'est pour prix, une pénétration pour prix, pour quantité, tout ça, on va expliquer. Et ensuite, composition,
nous l'entreprise, c'est-à-dire le nom, composition du capital, dépenses, recettes, nous termine pour nous autres, le business plan fini. C'est tout ça là, nous. Donc, le chemin est encore long. On arrive là à moitié. Là, nous pourrons dans la deuxième étape à partir de la semaine prochaine. Donc, pour ma part, je termine ici. Je vérifie ça un exemple, puis ça tableau. Qui m'a donné ce tableau du business model là, avec sa neuf briques là, et je réalise un business model. Je finis de réaliser le business model pratiquement dans, on dit, le time et le temps de la place. On dit aux autres conjoints, aux autres partenaires, aux autres madames, aux autres messieurs, aux autres enfants, aux autres voisins, aux autres familles. Comment on se coule ça avec eux? C'est un coup s'il y a assez attirant quand je vais me coucher, je vais me accrocher ou bien je vais me sortir dans X, je vais répondre Z, c'est cohérent. Je vais me comprendre un langage très très simple, je vais me comprendre. Et quand je finis de faire ça, je suis capable de réaliser que voilà, je vais vers la fin, vers la réalisation du business plan. Si on a une question, donc les sources de revenus, est-ce qu'il y a des biens fixes? Enfin, ça dépend. Ça dépend. En principe, une source de revenus, si nous faisons un conseil, mon collègue comptable est capable d'expliquer ça. Donc, si on commence à donner des principes plus compliqués, mais bon, je tiens à un chapitre le financier qui c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, les tout prêts. Donc, il est plus à répondre à sa question-là. Donc, pour l'instant, pas fatigué de la tête avec un chiffre. C'est plutôt autre man chiffre, man ou fixe, man ou des autres plus, man ou des autres business pour les mots, autres projets, c'est-à-dire man cotation, man l'équipement, cotation, les autres loyers. Cotation, renouvellement, ça veut dire comment je pourrais aménager ce business, cette entreprise. C'est ça qui a besoin pour un bon chiffre là, c'est-à-dire. C'est pas un bon chiffre comme je vous voulais. Après, ça les vient après, c'est par rapport à l'investissement. Je vous ai aidé initialement, là, je vous capable de connaître un petit peu de votre revenu pour mes libérités. Pour l'instant, je ne vais pas vous connaître parce que je vous connais avant tout. Mais comment je paye bien pour investir? C'est la première chose à faire. Et voilà, je souhaite un bon week-end et au plaisir de vous rencontrer. C'est dans une semaine et demie. Si vous êtes capable, déjà, la prochaine session, je vais poser sur l'aspect juridique. Donc, tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est choix de statut juridique, constitution de l'entreprise. Donc, ça, trois thèmes qui m'ont dit, peut-être faire une petite recherche avant que mon collègue prend mercredi avec eux. Donc, faire une petite recherche là. Et pour comprendre un petit peu, mon thème, c'est quoi propriété intellectuelle et industrielle. Et ensuite, s'appelle un statut juridique pour une entreprise. Et comment nous faire une constitution de l'entreprise. Donc, si je fais une petite recherche, voilà, il est plus facile pour vous, que vous êtes capable de comprendre ce que vous voulez que vous expliquez mercredi. Bien sûr, on passe mon retour, la parole à Arshop. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ricardo. Vous pensez que c'était une session extrêmement intéressante parce qu'il nous gagne pas mal d'affaires importantes qui promènent nous vers la réalisation du document final qui appelle le plan d'affaires, le business plan. Deux petites informations avant de nous séparer. Nous. Donc, première chose, c'est que une question qui nous posait, un participant demandait qui nous capable de gagner ça dans une vidéo, un recording qui nous mettait là. Donc, c'est l'OMYESA, donc Ministry of Youth Empowerment. Quoi? Donc, c'est le MYESA Mauritius. Toute lettre. Donc,
déjà, vous êtes capable, comme vous avez déjà fini de poster 3 recordings. Donc, incessamment, semaine prochaine, vous mettez le 2 et plus la session qui nous fait aujourd'hui. Autre chose qui est importante, je te disais ça au départ, mais je vais dire pour les gens qui peut-être sont en retard, c'est que pour la soumission des business plans, donc nous avons la possibilité de soumettre un business plan, pour vous dire que c'est lié en français. Au courant de la semaine, nous pouvons voir ça. Déjà, avec sa session qui nous fait aujourd'hui, là, comme a recordé si bien dit, nous terminons la première moitié de la formation, donc qui aboutit avec un business model qui nous expliquait aujourd'hui. L'autre moitié de la formation pour consacrer à, par exemple, marketing, etc., pour qu'il nous capable aboutir avec le document final, c'est le plan d'affaires. Donc, déjà, avec les 6 sessions qu'il nous fait, et pour permettre de travailler la première section de du business plan, qui est la non-financial part. Et il regroupe tout ce qu'il nous dit depuis la première session. Donc, déjà, je suis capable de commencer ce travail-là. Nous pouvons envoyer ça dans notre mail la semaine prochaine. Autre chose qui est importante, mon collègue, via, il envoie un link. Donc, qui permettent nous vers le Google Form, qu'ils ont besoin de remplir et de submit. Comme ça, ils sont capables de permettre nous. Là, pour le moment, là, nous pouvons avoir un link. Nous pouvons avoir un link à 700 personnes, quand seulement 200, 300 personnes qui peuvent suivre la formation. Donc, ça, pour capable de repérer nous, un petit peu, repérer nous, un petit peu, dans tout ce qui est régulier dans la formation. Donc, remplis-le, submit-le. Comme ça, nous sommes capables, pour la prochaine fois, remplir. Nous pouvons envoyer le link seulement à 20 personnes qui peuvent suivre la formation régulière. Voilà un petit peu deux, trois petites choses qui sont importantes, mon cher, avec eux. Donc, sinon, je vous à Ricardo pour souhaiter un bon week-end. Donc, déjà, la prochaine session, c'est mercredi prochain. Comme à Ricardo, nous prenons l'autre personne qui peut venir là pour intervenir dans l'aspect juridique, institutionnel, etc. Donc, moi, je vais trouver, nous pouvons bouger dans la bonne direction. Donc, à partir de session 1 jusqu'à aujourd'hui, nous faisons une bonne quantité de concepts, de thèmes qui nous sont abordés. Donc, nous parlons plus de l'avant et la finalité que nous faisons. C'est la rédaction du business plan. Donc, merci bien. Bon week-end et nous retrouvons mercredi prochain. Merci Ricardo, merci à tout le monde. Bonjour Monsieur Ashok. Oui, c'est Valérie. Allô? Allô? Je pense que Monsieur Ashok est déjà parti, Valérie. Ah, d'accord, merci. La prochaine merci. Fois, alors. Yes. Si tu veux, envoie par email à ce moment. C'est une d'accord. question. D'accord, merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.